Elle met de bonne humeur cette musique, je trouve. Je profite parce que dans très peu de temps, je vais avoir envie de me foutre en l'air. Ça vous parle? Un jeu dans lequel il y a un mec, il est coincé dans une marmite, il a un marteau, il faut aller le plus haut possible. Attention, verdict. Oh non. Non. Franchement, la dernière fois que j'y ai vraiment joué, c'était en 2018, 2019. Et il faut que je fasse une confession, je suis jamais allé au bout du jeu. Du coup, je me suis dit, il est temps de passer ce cap-là ensemble. Ce cap-là. XD. Allez, Zaf, c'était ban. Profitez de ma bonne humeur tant qu'il est encore temps, d'accord? Me cassez pas les couilles, juste. Avant que je vous banne tous. Eh, après, ça va peut-être bien se passer, hein. On sait pas. Ça sent le cul. Pourquoi? Je sais que je vais péter les plombs. Rien qu'en voyant le mec dans sa jarre, j'ai envie de m'énerver. Ok. Ça se passe bien. Oh, mais putain, non, c'est bon, je suis trop fort en fait. Ouais, les gars, je vous ai menti, je suis trop chaud. Mais wesh! Ouais! Ça s'arrête pas! Non, les gars, je suis trop chaud. Attendez, petite pause. Parce qu'on sait ce qui va se passer. Je vais prendre mes aises et puis ensuite, ça va partir en couille. Très chaud, il est chaud bouillon et tout, ok. Je suis pas en train de lire le chat pour que vous flattiez mon ego. C'est vraiment purement parce que je me dis c'est important de lire son chat aussi. Ok, minutieusement. Pitié, non. Arrête. Ça, c'est les moments de panique où je reconnais où il faut pas craquer. On va se poser tranquillement sur ce rocher. Et on va recommencer la manœuvre. Non! Oui, voilà. Non, pitié, non, ça commence, non! Voilà. Messieurs, dames, vous comprenez désormais le principe. On est dans une jarre, on a un marteau, on doit aller le plus haut possible. Et tout est fait pour qu'on retombe le plus bas possible. Et nous, on doit résister à la haine, d'accord? Rien de plus simple. C'est la meilleure journée de ma vie au final. Putain, non mais là, attendez. Il faut que je m'en mette dans le vide pour me redonner d'élan. Pire idée, voilà, on est revenu à la case départ, bon. Oh, ça va être long. Oh putain, ça me tend. Ok. C'est très minutieux, des fois on peut prendre le temps comme ça, ça fait pas de mal. Oui. Les speedrunners, ils vont pas aussi vite, hein. Je me souviens à l'époque, je regardais des vidéos de mecs, ils se mettaient ici, ils faisaient ça là, et ils se propulsaient, et ils arrivaient à gripper le truc du haut. Et du coup, ça t'évite tout un chemin bien chiant. Du coup, je vais essayer de le faire, genre quelques fois, et quand je me serai rendu compte que j'ai pas le niveau pour le faire, on passera par le chemin de tout le monde, d'accord? Oh, je suis pas loin, attendez. Quoi? Mais il a manqué de vitamines là dans son... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il... Ah, je galère. Je crois que je vais arrêter. Bon allez, nique sa mère, on fait le parcours normal. Attendez, il faut faire minutieusement. On lève les bras. Je suis un peu... Non. Ok. Et là, je vais m'éjecter pour aller sur le tas de carton. Super. Doucement. Arrête. Je l'ai vraiment gueulé. Je vais lâcher un gros arrête avec de la haine. Vous avez... On l'a sorti la différence. Il y a un truc. Ok. Regardez le jazz qui se relance. Est-ce que je vous proposerai pas une petite masterclass? Là pour le moment vous êtes sympa avec moi. Quand je vais tomber tout en bas et tout, je me plaçais bien et je faisais ça. Hop. Putain mais c'est... Hey, ça fait 5 ans que j'ai pas joué au jeu, je me souviens trop bien. J'ai dû passer des heures et des heures dessus. Ok. Mais c'est trop simple. Oh. Arrête de bouger. Voilà. Ici, je n'ai jamais passé cet endroit. Je ne sais pas comment il faut faire. Déjà je vais virer l'orange. Voilà. En espérant que je ne fasse pas la même chose qu'elle dans quelques minutes. Profitez. Là, on est tranquille. Ça me fait plaisir qu'on soit ensemble là. Non, vas-y, j'avais oublié. Oh, la sensation, elle revient. Ils viennent de m'annuler 20 minutes de ma vie. Bon, je speedrun, ok? Oh oui, je viens de faire... Alors là, je viens de faire un move de fou. En fait, j'ai l'impression que plus je vais vite, plus je suis fort. Mais putain, mais arrête. Bon, pas tout le temps, c'est pas tout le temps vrai ce que je dis. Mérité, en vrai, t'avais trop la confiance avant, maintenant let's go. Mais comment ça? Regarde, voilà, tu vois, il faut avoir la confiance. Il vaut mieux avoir plus confiance que pas assez. Voilà, le jeu, c'est ma petite chienne. Regarde ça, je le termine. Tu vois, je pense que vous aimeriez qu'il y ait un karma de zinzin, mais il y en aura pas. Non, c'est pas possible de tomber ici. Normalement, personne tombe là, putain. Oh. Pitié. Oui, putain. Oui. Je suis en train de paniquer, les gars. Arrêtez. Putain. On en revient ici. Ah, carrément, ça a fait une prédiction pour savoir si j'allais réussir à passer. Il y a quand même plus de gens qui ont mis des points sur le fait que j'allais pas réussir. Non, pas comme ça. Comme ça. Oh là là. Non, attends. Arrête ce que tu fais. Comme ça. Voilà, super. Il peut pas lever les bras plus haut que ça. Non, ok. Il faut croire en soi.
Ils remettent le jazz et tout, ces fils de chiens. Fuck you. Je pense que je tomberai jamais ici. Ça, c'est vraiment pour les noobs, l'endroit en bas sous mes pieds. Ok, bon, peut-être que c'est possible que je tombe en bas. C'est bon. J'ai tout compris. J'ai compris la logique du marteau. Non, je peux pas dire ça. J'étais en train de flex, je peux pas. Je tourne la tête. Premier message que je vois, c'est « Suce-moi !» Ça va, mon frérot? Tout va bien? Vous me déconcentrez. Parce que là, tu vois, si je le fais en one-shot, le truc ici... Merde. Je suis pas tombé si loin, du coup j'ai pas tapé une fois de plus sur le bureau et je l'ai pas explosé pour ça. Il s'agirait d'arrêter d'être cringe pour de vrai. Je vais me propulser comme ça, et là... Chut. Oui, oui, let's go! J'ai les mains si suantes. Normalement, le rocher du dessus, là, celui-ci, il me pose pas de problème. Voilà. Celui du dessus, il m'a déjà joué des tours, mais pas aujourd'hui. Arrête de glisser. Ne glisse pas! Bon. Comme ça. Et là, il met un grand coup de marteau pour se raccrocher au-dessus. Ah ! Non ! Et là, il met une autre musique ! Putain ! Quel jeu de merde ! Je peux pas être le seul connard à pas réussir à finir un jeu d'un mec dans une jarre, tu vois. Fais de l'ASMR pendant que tu joues. Je veux bien que le live soit en... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Arrête ! Je veux bien que le live soit en détente complète, mais pas à ce point quand même, tu vois. Tu es schizophrène ? Non ! Arrête ! Pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, on dirait que j'agite ma... Arrête ! On dirait que j'agite mon marteau un peu partout. C'est des techniques de recalibrage. Je vais prendre une question au hasard. Beuteux à droite ou à gauche dans le caleçon ? Là, elle est très centrée, là. Bizarre l'ambiance. Ouah, ça y est, c'est géré maintenant ici. Je commence à être à l'aise. Vous sentez ou pas ? Même quand le marteau glisse, je sais qu'au fond, en fait... Je fais comment ? Arrête. Speedrun. Comme ça sera un peu équivalent à mon gameplay, c'est pas mal. Comment ça, 59 secondes? Allez-y, hein. Quand on vous dit que c'est dangereux. Ouais, ok, exactement ce que je faisais. Exactement comme moi. Pareil, son marteau glisse. Et là, regardez ce qu'il va faire. Il va se coller contre la montagne. Il va tendre à mort ses bras. Ah non, attends, il fait quoi? Attendez, mais ça a l'air méga dur. Et dès que t'as le meilleur angle possible, là, je mets vers le bas. Allez, les gars. Hé. Oh ! Pourquoi moi, il manque de vitamines, mon personnage ? Putain, il faut un tuto de merde au ralenti pour que ça fasse cette merde ! C'est génial, ce que tu proposes. Arrête, putain ! Super. Génial. Tout doucement, jusqu'à arriver, on suit le tuto. Je me permets de mettre cet hymne pour me motiver. On va tout donner, messieurs ! Et mesdames ! Pas encore, pas toi! On y est, les gars, on y est. Ah! Arrête! Là, on se fait tout chier, hein. C'est juste... Oui, mais putain, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a des problèmes de force, ce fils de chien! Expliquez-moi pourquoi des fois il tape des jumps de 2m40 et des fois quand je lui demande de sauter... Merci, Lou, pour le prime. Merci, mon gâté. Mais regardez, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il slide? Mais qu'est-ce qu'il y a? La marmite, il a animé la marmite! Non, par pitié, tu tomberas pas ici, je l'ai dit au début, ça c'est vraiment le trou des noobs. Allez, va vite STP. Tu crois que je fais quoi? Je ne dirai pas un mot. Et je veux qu'il y ait une ambiance de mort sur le live. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu envie d'Alt F4 un jeu, tiens. Oh putain, ça va être si long de revenir, les amis. Les amigos. Ils m'ont mis le jazz, ils sont sympas. Hein. C'est trop une dinguerie, putain. Je suis tombé dans le truc des noobs. Non, il y a trop de chemin. Faut que je me revende. Non, j'y étais. Reprends-toi. C'est un speedrun. Chillax, les gars. C'est aussi ça, le divertissement. C'est crié pour rien.
Je suis pas énervé en réalité, c'est juste pour vous fournir un peu d'émotion. C'est aussi ça l'acting. Mais après c'est ça aussi le souci, quand je m'énerve comme ça, c'est que souvent les réalisateurs ils sont sur les lives. Et après ils me contactent pour dire oui, on a vu votre prestation sur Getting Over It en live sur Twitch. On voudrait vous recruter pour le nouveau Avengers, en fait vous coloriez parfaitement. Je vais prendre le raccourci si ça vous dérange pas. Bon. On le prendra peut-être une prochaine fois. Une prochaine fois, on va le refaire juste en entier. En entier, c'est mieux en fait, j'ai réfléchi. Parce que si on prend le raccourci, on s'imprègne pas assez du parcours. Et du coup, on n'est pas prêt une fois arrivé en haut sur le rocher. C'est chaud. C'est chaud de fou là. Oh, on dirait les PGM. J'ai reconnu les moves de speedrunner en moi. Là, c'est une musique country très slow. Voilà, c'est ce qu'il me fallait. C'est ce qu'il me fallait, on y retourne. On y est. Alors peut-être. On se met bien dans l'angle comme il a dit là. Bien. Dans l'angle! Bien dans l'angle, ta mère! On y retourne, on serre les dents, on y retourne! On serre les dents, on y retourne! On va tenter un truc! C'est même pas dans le tuto, c'est ma propre solution! Non! C'est déprimant ce que je vous propose. Y'a pas de musique, y'a rien, c'est du réel, c'est du concret! Mais arrête! Mais j'ai envie de recommencer ma technique. Je vous jure, j'ai senti un truc dedans. Je vais essayer en one shot. J'étais pas loin. Rattrape-toi. Arrête de faire de soif. Je vais péter les plombs. Ils ont essayé de m'abattre, on va revenir plus fort. On revient en section d'assaut. Mon gameplay, il s'arrête au 5% du jeu. Ça se trouve, j'arrive super bien en plus après. Je pense que... Je vais me foutre en l'air. Je vais avoir l'écran pété. L'écran pété. Parce que je vais m'énerver, je vais mettre un coup de poing dedans. L'écran pété. Vous l'avez? Vous l'avez les jeunes dans le chat? Je vais avoir... En fait, je disais, là j'ai l'écran pété. Oh mais dis donc, les presets de foutre en l'air ou j'ai l'impression là? Non, arrête. S'il te plaît, ne retombe pas. S'il te plaît, retombe pas. Arrête. Arrête. Épargne-moi par pitié. Non. Ah, j'en peux plus. Senkaku nara moto tsuge no yoi shite moraite nan da na. Dakara ori wa maki ne. Watashi wo mite ori wa katsu kanarasu. Yakusak suru. Omae wa mou shinde iru. J'ai dit toutes les phrases que je savais dire en japonais. Hein. Toutes sans exception. Toutes, absolument toutes. On dirait que je suis bilingue, hein. Bah non, je suis juste une grosse merde. Je suis une grosse merde avec une jarre. Avec un putain de bonhomme qui sait pas utiliser un marteau. Je vais péter les plombs. Je deviens complètement frappadingue. Là, je suis en RP, docteur Maboule. Je sais plus quoi faire comme RP là. Oh, oh non. Never give up, c'est John Cena qui disait ça, les amis. Non mais l'arrête. Oh. Je vais rien dire, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe dans les prochaines secondes, ça va être très décisif quant à l'avenir de Slave. Vous m'entendez? Pourquoi mon marteau c'est une savonnette là? Il fait des mouvements complètement aléatoires. Vous avez vu ce qu'il vient de faire là? Il a chopé le lampadaire par en dessous. Je lui ai jamais demandé de faire ça. Hein. À un moment, je veux bien ne pas être doué avec ma souris, mais c'est trop une dinguerie de faire ça. Putain, j'ai eu un RP Maxime Biaggi là. Mais c'est trop une dinguerie de faire ça! Pas très bien fait. Super. Génialissime. Excellent. On va essayer de varier un peu le vocabulaire, hein, parce que super, on commence à en avoir plein le cul. Arrête! On lève le marteau, on se pousse. Génial. Y a-t-il quelque chose qui se passe mal? J'ai pas l'impression. Bon. Ok, c'est maintenant. Je le sens bien, j'ai un good feeling. Good feeling! Good feeling incoming! Je fais de la merde! Et en fait, j'ai l'impression que sur un coup de chance. Non! Non! J'en peux plus ce jeu! Putain, coupez la musique, j'en peux plus! J'ai même pas eu le temps d'attendre le drop que je suis déjà tombé! Comment on fait? Pourquoi le jeu il est simple et à un moment on peut plus passer? J'en peux plus! Non, j'en peux plus! Là c'est bon, c'est mort! C'est simple, c'est un jeu de fils de pute, j'y joue plus! C'est bon, le jeu pue la merde! Je suis en train de suer, mon t-shirt il est trempé, ça fait 2h13, j'y arrive pas, je fais que de refaire la même chose en boucle, j'ai beau mettre la musique, de ce que tu veux, y'a rien qui marche! Je reviendrai plus fort.